Le tabac tue et c'est désormais marqué sur tous les paquets de cigarettes. Et nul ne saurait contester le rôle du tabac dans la genèse du cancer du poumon ou dans la survenue des maladies cardiovasculaires. Mais au-delà de ces effets négatifs bien connus, je voudrais insister sur d'autres aspects tels que le rôle du tabac dans la genèse du cancer de la vessie ou dans la survenue d'une artérite avec à la clé des amputations répétées ou dans les troubles de la fonction sexuelle avec pour conséquence finale la survenue d'une impuissance, un sujet auquel devraient être sensibles les jeunes hommes qui continuent de fumer. Le tabac induit une véritable accoutumance et dépendance physique. Mais au-delà de cette dépendance physique, il existe une véritable aussi dépendance sociale, avec ce caractère de convivialité attaché à la cigarette partagée entre copains devant la porte du bistrot, puisque heureusement on n'a plus le droit de fumer dedans, ou cette cigarette de convivialité partagée avec les collègues à la pause café au travail. Et nombre de personnes aujourd'hui hésitent à arrêter de fumer pour ne pas se sentir exclues de ce lien de convivialité. C'est une erreur. Et c'est pour ça que nous soutenons avec force cette campagne de l'assurance maladie en novembre, arrêtons ensemble, parce que je crois qu'il est possible de créer véritablement une dynamique vertueuse, une synergie pour ensemble arrêter de fumer. Faisons-le en novembre. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.